Et coucou tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog! C'est 5h du matin! Oui! Et voilà, une partie de la valise! Alors on en partage une grosse avec Morgane parce que EasyJet, vous savez, les prix, c'est pas possible. Donc globalement, des vêtements, de la bouffe, trousse de toilette, chaussures, change de chaussures. Non, ça c'est pas mes chaussures. Non, ça c'est crème solaire, tout ça. Chaussures ici, bon bah les sous-vêtements, tout ça. Trousse de toilette. Petite peluche, quand même obligé, un petit B-Max pour ceux qui connaissent. Et petit sac à dos, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Tous les papiers, le planning, lunettes de soleil, l'argent. Je vous montrerai d'ailleurs les billets suisses, ils sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on a devant? Je crois qu'on a des chewing-gums, des petits gâteaux, les bas de contention, toujours. Je vous conseille, hein, même si vous n'avez pas de problème veineux, toujours dans les avions. Et voilà. Et coucou tout le monde, bienvenue et coucou dans un nouveau vlog. Ouverture dans la voiture, tellement que c'était tôt ce matin, pas la fois d'ouvrir la maison. Donc c'est parti pour 4 jours à Genève et pas Gênes, parce qu'on confond les deux villes. Genève en Suisse. Tu as vraiment déçu, cette heure. T'as dit quoi? Tu seras vraiment déçue si tu as terminé. Ah, c'est pas la même chose, Gênes et Genève. J'ai déjà fait Gênes, c'est pas la même chose. Mais en fait, moi je confonds les deux parce que Genève en italien c'est Genova. Et bon, bref, bon, n'en parlons pas. Ne vous inquiétez pas si je dis Gênes beaucoup dans ces vlogs. Mais c'est Genève. Donc, c'est le Gênes, si tu veux. Ce vlog est déjà trop long. Donc Michel nous dépasse à l'aéroport. C'est un amour. Elle ne vient pas parce qu'elle travaille et surtout parce qu'elle va peindre la maison. Donc moi je m'en vais avec Morgane. Donc pendant 4 jours, on est début juillet. De toute façon, on vous prend. On va faire donc Genève et normalement Lausanne. On dit bien normalement parce qu'on a un temps pourri. Merde. Vraiment. Mais vraiment, donc si on a un tout petit peu de chance. Bon, on vous embarque direction l'aéroport de Nice. Et puis après, EasyJet, tutu et Genève. Bye bye. Et nous voilà à l'aéroport. Oh, une petite Morgane sauvage. On s'est fait quand même un petit breakfast parce que c'est genre 7h du mat, on est dead. Ça c'est un marbré apparemment au chocolat et deux pains au chocolat, petit jus d'orange, petite bouteille d'eau avec quand même la vue sur les avions quand même et la mer. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Backstage, on a fini de manger. Je vais vous montrer les billets. Regardez comme ils sont beaux. On en a aussi un autre de 100 qu'on a mis à part pour la bouffe. Moi je les trouve vraiment mais trop beaux quoi. Vraiment trop magnifique. Et on va avoir des pièces, on vous montrera aussi. Beautiful. C'est parti pour embarquer. Il n'y a pas trop de monde apparemment. C'est pas mal. Et on a que 50 minutes de vol. I'm sexy and I know it. Bon, on n'a pas le hublot, mais vous ne nous en voulez pas. Mais on a le couloir. Et voilà, on est arrivé. Il y avait une énorme affiche, je vous mettrai la photo là, avec une montre. Genre direct vous arrivez, pays des montres. Et après, tic, c'est parti. Elle est là. Non mais je vous jure, la Suisse, ça commence bien quoi. En haut, il y avait un tapis. Ça fait juste un tour, après, ça disparaît. Bref. Tu veux qu'on demande à quelqu'un? Ça va? C'est bon, Morgane a galéré, mais elle m'aide parce que vu que je suis enceinte, je peux pas vraiment porter. Bon bref, donc sachez-le, en Suisse, ça fait un tour, puis ça disparaît. Et après, il faut aller ailleurs prendre les bagages. N'importe quoi, on l'a loupé parce qu'on faisait pipi. Enfin bon bref, allez. Et regardez toutes les montres. Genre, ils sont au taquet, hein. Ils sont au taquet. Genre... énorme. Oh, ils sont taqués de partout là. Waouh. Bon ben, let's go pour prendre le train. Il faut aussi savoir qu'en Suisse, si vous restez dans un hôtel, ben en Suisse, forcément, vous avez tous les transports gratuits. Et oui. Enfin, je veux dire, de la ville, hein, bien sûr, pas de toute la Suisse. Donc c'est super, on a les transports gratuits, donc let's go. Let's go. Ah,
On est dans le train. Ça y est, on est arrivé. Qui c'est qui est comme des clochards là dans un coin à sortir casquette et crème solaire? C'est nous. C'est nous. Parce qu'aujourd'hui il ne pleut pas. Ce week-end oui, mais aujourd'hui non. Donc on est trop contentes. C'est ici. Hop. Et puis let's go. On va à l'hôtel. On en a pour 5 minutes. On pose la grosse. Et let's go. Let's go. Parti. On a eu l'hôtel. C'est que 10h du matin. C'est trop cool. Le mec était super sympa. Et donc c'est, bon je vous écrirai le nom ici, c'est Ibis, je sais pas quoi, ici les Ibis sont des 3 étoiles. Ouh, on donne sur quoi? Sur la route. Eh, on donne sur des perruques, est-ce que vous voulez des perruques? Ou un kebab, c'est vous qui choisissez. Mais franchement c'est pas mal, c'est pas mal, il y a 2 lits. Hop. Et il y a, bah franchement, nickel. Nickel, en plus on est vraiment bien placé. Au top. Trop contente, Morgane? Trop contente. Voilà notre hôtel, vu de l'extérieur. C'est un cube. Et on est dans un quartier... je pense que c'est africain. Parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, vous voyez, africains, des kebabs. Donc je pense, je ne sais pas, mais je pense. Il y a beaucoup de perruques aussi, etc. Je pense. Alors, on est parti? Où est-ce qu'on va, Morgane? Où est-ce qu'on va déjà? On va prendre le tram déjà. Vraiment, on va prendre le tram. Le tram. Pour aller en ville. On pourrait y aller à pied, mais vu qu'on a en mission un restaurant, ouais. On va prendre le tram, voilà, pour aller loin et après refaire tout à pied. Donc de toute façon, on vous prend avec nous. Et si vous voulez un kebab, voilà. Et puis c'est parti, hein, franchement, pour le moment ça nous plaît bien. Ouais. On n'a pas vu grand chose, on a vu le Mont Blanc de très loin. Enfin on pense que c'est le Mont Blanc, on veut pas dire de bêtises. Le jet d'eau aussi de très loin, qui est le symbole de la ville. Et là. Oui, on a un petit problème avec les passages piétons hein, à Genève. Hein. Je sais pas, écrasé. Et 10 fois. On est sur des trottoirs, il y a des voitures qui arrivent, il n'y a pas de passage piéton, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on n'est peut-être pas doué, mais bon. C'est parti. Merci. Alors, regarde, on est retourné donc au niveau de la gare. Et c'est vraiment pas clair. Parce que là vous avez un tram. Ici vous avez des trams. Et un peu de partout il y a des trams. Mais en fait c'est pas les mêmes numéros à tous les endroits. Donc il faut pas se tromper. Et bien sûr il y a 2 directions. Mais c'est quand même pas très très clair hein. Faut être débrouillard. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ça y est, on est arrivé tant bien que mal. Je sais pas si vous voyez. J'avais vu qu'on dirait une entrée de boîte de nuit. Je sais pas si vous voyez, c'est Luigi. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose. Et donc j'étais en train de dire à Morgane, j'avais fait un peu des recherches. Attendez, je vous prends mieux pour vous expliquer. Donc je disais à Morgane que donc c'est dans les top restaurants italiens du monde entier. Rien que ça. La pâte repose 72 heures de la pizza. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est des petits-fils qui se sont inspirés de leur grand-mère. Voilà, Luigi. Et c'était à la base un garage. En fait, bah, c'est pour ça, c'est pas entrée de boîte de nuit, c'est entrée de garage quoi. C'était à la base un garage et il reste un peu des décos de garage. Et ils sont voilà, ils sont bio, éco, engagés, responsables, blablabla, enfin tout ça quoi. Donc que du positif. Ouais. Que du positif. Ah ouais. J'avais vu des trucs. Il faut qu'on ait la place pour le dessert, mais en dessert ils font bien sûr des pizzas au Nutella, mais ils font surtout des espèces de mini beignets gnocchi, les gnocchi vous connaissez, avec plein de Nutella dessus. Et ça je crois qu'on est obligé. Ah ouais. Même si on n'a plus de place, obligé. On est obligé les gars. On s'engage. Ici on s'engage. Ouais. Donc on vous en prie. Regardez comment c'est classe, j'aime trop. Oh, il y a des petits restes là, vous voyez, du garage avec Mickey, Minnie et tout. Et là, c'est trop drôle. Là, vous avez Morgane, mais là, vous avez l'âge de glace. Je meurs. C'est trop mignon. Waouh, regardez-moi ça. Et même sur l'assiette, il y a le nom. Oh là 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 là. Et puis ils sont là, là, en direct, là, vous voyez. Hop, 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 et ils le font en direct. Regardez-moi ça. Oh, du gras. Oh là là. Non, mais vraiment, c'est waouh. Wow. Ça y est, on est sorti. Et ben, un délice. Ouais. C'est la conclusion. Je suis pas sûre d'un peu trop, mais bon, voilà. La conclusion est la même. C'était un délice, ouais. Mais vraiment. Genre l'huile utilisée, mais l'huile pa sur la pizza et après les espèces de gnocchi. Oh, mais vraiment. Oh, mais... On a tout mangé. Hein, on a tout mangé. On vous prévient. On a absolument tout mangé. C'était trop bon. Par contre, c'est cher. C'est cher, mais comme tout en Suisse, donc en fait c'est pas si cher. Mais c'est cher quand même. Après,
Là voilà, pour vous dire, à deux, avec ce qu'on a pris, moi j'ai juste pris de l'eau payante, 66 euros je crois, ouais, 65, enfin francs suisses, mais c'est pareil, ça se vaut. Donc voilà, faut savoir que vraiment tout est cher. Quand j'ai regardé un peu les restos, les trucs, je voyais même un peu des boui-boui, le burger 20 francs suisses, 20, il n'y a même pas de frites. Donc voilà, tout est cher, mais par rapport à la Suisse, c'est pas si cher, voilà. Mais c'est quand même cher. Mais là, bah écoutez, donc, vu qu'il ne pleut pas aujourd'hui, on va faire un tout petit peu la ville. On va se diriger vers le jet d'eau, le fameux jet d'eau, symbole de la ville. Je vous raconterai son histoire après, quand même. Et un petit jardin aussi. Enfin bon, de toute façon, on vous prend petit à petit. Un peu de boutique, un peu de chocolatier. Enfin voilà quoi. Hein, bah ouais. Je sais pas. Allez, on va cramer. Et nous voilà arrivés autour du lac. Vous voyez absolument rien, mais on va s'approcher. Et voilà le jet d'eau qui est devenu le symbole de Genève et pas Gênes. Alors je vais vous lire un petit peu ce que j'avais trouvé quand même, parce que c'est important, je trouve. Je vous prends en face cam pour ça, pour vous respecter. Donc, oui, je vous ai fait péter la route 66, pas du tout adaptée. Alors, hey. Donc j'ai retrouvé ma page. J'ai tout noté hein, quand même, c'est important Genève, hein, l'histoire. Donc ce jet d'eau a été fait par hasard. Et oui, parce qu'il a été mis là pour évacuer la pression. Et bon, regardez-moi de rire. C'est pour évacuer la pression des artisans à l'époque. Tout simplement, voilà, ils ont fait un petit jet d'eau à l'époque, allez hop là. Et ça a tellement plu que bah, ils l'ont déplacé, ils l'ont mis en mode touriste, énorme. Et voilà, c'est devenu le symbole de la ville. Et aujourd'hui, il fait, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est 140 mètres de haut. C'est quand même pas mal. Et l'eau est projetée à 200 km/h. 200. C'est quand même beaucoup plus vite que vous en voiture. Et oui. Et que dire d'autre? Bah c'est tout. Et aujourd'hui, c'est 5 retraités qui s'en occupent. Voilà. C'était l'info Minute Genève par Marie. Je crois qu'on a trouvé le jet d'eau. Je crois. Je crois que vous êtes tout mouillé aussi. On est trompés. C'est trop haut. Et ici, regardez-moi cette vue là. Pop, 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 pop. Je vais vous faire un peu des petites vues en musique. Hein. Allez, parti. La bonbonnière qui est ici avec l'accent de Maïté. Elle est morte de rire, regarde. Donc la bonbonnière, c'est bah, une des nombreuses chocolateries de Genève, comme vous savez, c'est bah, le pays du chocolat et des montres. Et donc on va aller voir ici. Et ils sont connus pour leur chocolat chaud. Je dis ça, je dis rien. C'est très très beau, c'est très très classe aussi. Regardez, il y a des montagnes de bonbons. Oh, wow. Et regardez-moi cette petite carte. Et donc, ils sont connus pour leur chocolat, comme je vous disais. Et vous pouvez choisir. Donc, en fait, comme si vous choisissiez du vin. C'est trop la classe. Pas du tout. Petite dame qui est venue, je disais. C'est comme si vous choisissiez du vin ou du café, je ne sais pas. C'est trop la classe. Et ça, c'est du chocolat, vous voyez, chocolat. Vous pouvez faire une dégustation aussi de, si vous en voulez 5, mais bon, ça va aller. Waouh, on va en prendre un déjà, c'est pas mal, enfin un chacune. Alors, on a choisi les deux premiers. Donc, Morgane, elle a fait ça, donc c'est caramel, crème, vanille, miel. Donc, chocolat au lait, et moi, c'est une sorte de chocolat noir au caramel, vanille, miel, framboise. Je sais pas si on s'est lancé dans quelque chose de bon, mais en tout cas, on y va.
Et voilà. En plus, on a des petits chocolats offerts. Oh là là. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, on a fini notre chocolat. Un délice, un délice. Et ben là, on est en ville. Voilà, sur une petite rue, grande rue, commerçante. Et puis bon, on va voir si on trouve des petits souvenirs. Ah, ici, ben voilà. Je parlais de ça à Morgane. C'est une chocolaterie aussi qui est très connue. Je vous raconterai l'histoire des chocolats tout à l'heure, si j'oublie pas, parce que c'est très très important en Suisse. Oh, c'est trop beau! Je n'avais pas vu. Alors, vous voyez absolument rien, mais ceci est une fontaine de chocolat. Et c'est une des marques suisses quand même les plus connues. Vous voyez avec la croix. C'est pas mal ça. On va peut-être aller faire un petit tour. Hein. Un petit tour. Et il y a Cahier aussi, je crois que ça s'appelle. Cahier, si je ne dis pas de bêtises, qui est très très connu ici. C'était le premier un peu à importer le chocolat. Mais je vous raconterai tout ça. On a trouvé des petites cartes postales. On a une comme ça. Regardez, on veut en envoyer à tout le monde. Tout le monde, regardez comme c'est chou. Oh. Mais c'est magnifique. Ouh, merci. De nouveau devant des cartes, mais pas le même magasin. C'est trop mignon. Regardez ici, en gros, faut acheter des vaches, du chocolat. Des montres, bien sûr. Et quoi d'autre? Ah oui, des couteaux suisses. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, globalement, les souvenirs qu'il faut ramener. Oh, c'est trop mimi. Qui ici a écrit quoi? Kiss Genève? Ouais. Kiss from Genève. Oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Genève pour elle. Voilà, c'est moi qui ai craqué mon slip. Hein. Voilà, voilà, de suivre Morgane. Oh là là, mais regardez, c'est trop mignon. Je nous ai pris ça. C'est une salière, une poivrière. Et puis j'ai pris des bracelets parce que vous connaissez mon amour pour les bracelets. Voilà, c'est des petits bracelets tout simple, hein, mais c'est trop kiki. Backstage, un mec bourré avec sa musique à fond et Morgane qui se bat pour fermer mon sac à dos. Bon, tout ça pour vous montrer ça. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est beau. En plus, j'ai un moucheron qui m'est vu dans le nez. Non, mais je meurs. Regardez. Bon, bref, vous voyez comme c'est beau. Vous faites abstraction de ça. Voilà. Et on va se tourner en même temps que Morgane parce qu'elle n'arrive pas à fermer mon sac. Ici, c'est la place du Mollard, apparemment. Mais ne pas cracher, s'il vous plaît. Et là, on va vers là. Il y a un jardin. Le jardin anglais, please. Avec une horloge fleurie. Et attention, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, Morgane, sur l'horloge fleurie? Je sais plus. Oh purée. Ces aiguilles, c'est les plus grosses aiguilles du monde. Ah oui, c'est plus grand. C'était la minute culture. Again. Allez. Ça, c'était pas la minute culture. Je peux plus. Oh là 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 là, c'est parti. Ah oui, puis bon, globalement, hein, ici, les boutiques, vous voyez quoi. Hein, Vuitton, Omega, Cartier. Enfin voilà, c'est pas le shopping de tous les jours, quoi. Voilà. Regardez comme elle est belle. Vraiment. Donc c'est les aiguilles les plus grandes du monde. Et ça marche par satellite. Parce qu'il n'y a pas de pile, hein, bien sûr, dans cette horloge. Donc trop trop beau. Et je crois que j'avais lu qu'il y avait, oh je sais plus, des milliers de fleurs. Quelque chose comme ça, je vous mettrai le nom. J'avais fait une recherche. C'est trop beau, regardez, avec la grande roue. Waouh. Et l'autre côté, il y a le parc. Et il y a Morgane. Allez, on se dirige vers l'hôtel. Regardez, on marche sur le petit pont, grand pont, avec des beaux drapeaux. Une petite vue, pas dégueu. Magnifique. Oui, il y a assez de monde pour le bateau. Un
Alors regardez, là on a traversé le pont, donc on est de l'autre côté plus vers notre hôtel où il y a la gare. Et on voit, on pense, hein, le Mont Blanc. Est-ce que vous le voyez, le Mont Blanc? Et c'est très très beau. C'est genre avec une vue magnifique. Un petit bateau ici. Une petite Morgane. Tada! Et let's go à l'hôtel se reposer un petit peu. Alors ça y est, on est rentré à l'hôtel. Je vous montre un petit peu mieux quand même les petits achats. Bon, moi j'ai pas pris grand chose. Bon, on n'a pas pris grand chose pour le moment. Ça, donc un petit Switzerland. Un autre petit Switzerland. Et des petits bracelets que je vais partager avec Mitch Mitch. Whoops. Et Morgane, elle a dévalisé. Elle a dévalisé. Il y en a encore d'autres qu'elle est en train d'écrire. Et des petites magnettes. Et des petites vaches. Regardez, des petites vaches. Petites vaches. On n'a pas acheté de chocolat parce qu'il faisait beaucoup trop chaud aujourd'hui. Mais on va se manger demain vu qu'il pleut. Je pense qu'on va acheter du chocolat. Ouais, ouais, c'est la mission. C'est la mission. Après, on vous prend. On va rester à côté de l'hôtel pour manger un bout. On va voir ce qu'on fait. On va voir. Alors, on a fini juste à côté de l'hôtel. Bon, c'est à côté de la gare, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de choses. On a fini dans une espèce de, je sais pas, mini supermarché. On sait pas où on est, mais on y est. Il y a des petits trucs à manger. Donc, on va voir si on trouve quelque chose pour ce soir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Waouh, regardez. Je vous filme un petit peu s'il y a des choses particulières. Oh, gâteau énormissime, là. Ça fait un peu américain. J'aime bien. Oh non, je meurs. Et que le drapeau suisse. Oh là là. Ou un petit ballon de foot. Au choix. Regardez, c'est que du chocolat. Donc déjà, ça commence avec les paquets Lindt. Et tout ça, c'est du chocolat. Incroyable, incroyable. C'est fou, c'est fou. Vous avez tous les prix. Hein. Vous en avez des pas chers, vous en avez des chers. C'est au choix. Après, des Lindt, bon voilà, Toblerone, on connaît. Après, il y a des marques quand même suisses avec le petit drapeau. Miam, 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 miam. On va essayer de ramener des petites choses quand même. Ouais, quand même, quand même. Ah oui, alors ça, c'est typique suisse. Ovo maltine. Donc à la base, c'était en fait juste de la poudre de chocolat. Et puis ils ont fait tout un dérivé. Il faudrait qu'on goûte. C'est fait avec du malt. Mais apparemment, c'est typique. Tu sais pas où aller, tu vas au McDo. Non mais je vous jure, vraiment, on était motivés à manger équilibré, motivés. Mais y'a rien. Y'a rien. Ou tout est, ou tout ferme, ou tout est pourrave, ou y'a beaucoup trop de monde, donc... Oh, quelle catastrophe, il faut manger gras. Bah c'est parti, comme ça on pourra vous comparer la Suisse. Le McDo suisse et le McDo français. J'y crois même pas. J'y crois même pas. Vive la nourriture suisse. Allez. Bon, c'est pas... Eh ben on vous fait un débrief après. Mais... C'était quand même cher, hein. Deux menus basiques, c'est 30 francs, donc 30 euros quoi. Quand même, genre vraiment, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Et c'est des petits, hein, pas des moyens ou des grands menus. Mais bon, écoutez, voilà, on fait avec ce qu'on a. Bon, et bien, comme je disais à Morgane, je suis fière de nous, on a vraiment mangé équilibré aujourd'hui. Très équilibré. Non, mais franchement, en vrai, ça partait d'une bonne intention. Ouais. Mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas des trucs de fou. Ici, il n'y a pas voilà, de boulange, de trucs où on peut prendre simplement un petit sandwich, un petit truc. Il n'y avait que des trucs sur le pouce. Il y avait un Subway. Le Subway, mais le problème du Subway, moi je ne peux pas spécialement avec la grossesse parce que ils font pas attention. Il y a beaucoup de crudités, de charcuterie, etc. qui n'est pas conseillé. Donc, bon, bah, McDo. Mais comme on disait, demain on va essayer de se rattraper. Demain est un autre jour, on verra bien. Sinon, bah, qu'est-ce que t'as pensé de ta journée? Très bien. Franchement, on a kiffé notre journée. On est éclatax. On est levé depuis 5h du mat. Mais c'était vraiment top. On a profité sans la pluie. Parce qu'à la base, on devait pas faire ça aujourd'hui. On devait faire un musée, un jardin. Bon. Donc on va faire ça demain. Parce qu'il pleut, normalement. Pas normalement, il pleut. Malheureusement. Donc on va essayer, peut-être le matin on a quelques... on échappe un petit peu. Donc peut-être le matin on va faire le jardin botanique, peut-être. Sinon on va faire le musée, on va faire un grand magasin qu'il y a, on va voir. En fait on va s'adapter, mais il faut que vous restiez connectés pour les autres vlogs. Ils sont obligés, regarde. Il faut qu'ils restent connectés pour les autres vlogs. Exactement. Obligé, sinon attention. Attention, ça c'est de la menace. Hein. Menace zoomée. Et je vous raconterai l'histoire de... des chocolats demain. Voilà, comme ça, ça vous oblige à rester. J'oblige à rester. Mais je pense qu'il est beaucoup trop long ce vlog. Donc comme ça, demain, ça vous fera aller une minute de chocolat. On est d'accord? Bon, sur ce,
On va se quitter là parce qu'on va rentrer, on va se laver, on n'en peut plus. On va s'affaler comme des merdes sur le lit. Voilà. Bon. On leur dit quoi, de s'abonner? Oui, s'abonner, liker, partager. Ouais, et commenter. Oui, commenter. Of course. Bon, sur ce, allez. Bisous. Bisous, bisous. Bye bye.